Heureux à tous. Voilà, comme ça, actualisez votre chat, vous aurez le nouveau titre que vous le souhaitez. Hop. Ta 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 ta. Du coup, je vous balance celui-là sur YouTube direct. Comme ça, ce sera fait. Tu vas bien, Ethan? T'as bien dormi? Ça va, la musique, elle est pas trop dégueu. Elle peut être saoulante à la longue, mais ça va. Et ça va vous la mettre dans la tête. Voilà, lancer exportation. Donc l'autre va être, est en train d'être mis sur YouTube. Voilà. Mais ça va, je te remercie. Ça va tranquillement. Allez, lève-toi toi. Ok, donc du coup... Alors du coup. Je pense que j'étais dans les appartements du haut et on ne trouvera rien dans ces rues étroites. Ok, donc il faut retourner en haut. Donc maintenant on va essayer d'aller tout en haut comme on l'avait dit. Donc là. Voilà, je peux pas passer. Ça va, t'arrêtes la musique au bout d'un moment parce que bon, ça, c'est saoulant à faire ça. Ça va, mon petit Ethan? Que vas-tu faire de beau aujourd'hui? Hop. Alors, du coup, ici. En tout cas, j'espère que le jeu vous plaît, que vous prenez plaisir à le découvrir avec moi. Hop. Allez, Tigrou. Je te présente Tigrou, Ethan. On l'a nommé Tigrou, le minou. Regarde. Oh putain, mais on le voit flou, c'est chiant. Il est tout roux. Ok, donc du coup, on a vu que là, on ne pouvait pas monter, c'était bloqué. On va essayer de monter par ici. Je pense que là, on peut. Mais pour le moment, je joue à ce jeu. Après, je sais pas, on verra. Mais pour le moment, je m'amuse bien là-dessus. C'est cool, donc on verra bien. Et bravo tout le monde pour vos levels. Putain, ça me... Là, je suis à la recherche du carnet. Je peux pas monter au-dessus, c'est chiant. Et si, par exemple, attendez, je descends là et j'essaie de monter en haut. Non, ça met que la rambarde. Oh, c'est chiant. C'est dommage. Là, faut que j'arrive à monter là-haut, là. Est-ce que je peux monter là? Non. Je pense que c'est parce qu'il y a la gouttière, donc ça bloque, mais... je peux pas. Peut-être par l'autre côté. Hein. Ça m'a fait peur. On a trouvé trois carnets, encore un et on est bon. Ok.
Tu devrais les voir à partir des toits. Essaye de repérer. Ok. Tout en haut là-bas peut-être. J'essaie d'aller en haut là-bas. Tout en haut au bout là-bas. Là-bas. Il faut pas de logo mais... J'essaie de monter là-bas. Hein. On va voir bien. Est-ce que là... Oh. Ouais, c'est croulé ce bordel. J'ai pas trop confiance hein, quand même, petit chat. Oh là là. Ok. Donc là, on peut monter. Et là, on peut descendre. Ok, là c'est fermé, on peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'il y aurait là? On n'est pas venu ici. Bonjour papy. Ou je sais plus parce que tout se ressemble. Il y a tout qui se ressemble. Hein papy, c'est vrai. Regarde, Ethan, il me fait rire le chat, regarde. Il tape un code et hop. Mais est-ce qu'on peut le manger ou pas? Sinon, pourquoi mais les robots des Toki avaient l'air d'utiliser ce genre de monnaie? Ah, d'accord. Donc c'est un peu l'argent du truc. Ok. Ok, ok, ok. Ok, d'accord. Oh, une télécommande. Mais je suis déjà venu là, putain, il y a l'autre là. Là, c'est chez où qu'on a eu le premier truc. On va essayer de donner le truc à papy. Ok. Montrez l'objet. Non merci, je n'ai pas soif. Ouais, t'as vu? Il est trop fort. Maman faisait partie, ok. Projet d'exécution, ils sont entrés dans les égouts. Malheureusement, on n'en a plus entendu parler. Ça fait deux fois qu'ils parlent d'égouts. Donc je pense que après, ça se passera dans les égouts. Pardon. On ignore pourquoi Momo n'y est pas allé. Je crois qu'il regardera. Ok. Ok, merci beaucoup pour ton papier. Mais je sais pas où aller, ça me saoule.
Ouais, il dit toujours les mêmes choses, lui. Alors, le logo, c'est celui-là. Donc, on a fait celui-là. Là-bas, on a fouillé, mais on n'a rien trouvé. Donc, peut-être qu'on l'a eu sans faire attention. Là-bas, on l'a fait, il me semble, la porte me dit quelque chose. Où serait le dernier? Du coup. Parce que là-bas, il y en a deux, un en bas et un en haut, mais... On va essayer de monter en haut, mais il faudrait... Je sais pas comment l'atteindre. Toi, t'aimes vivre dangereusement, mon chaton. Je suis perdue. Ça va tout le monde? Ah, tiens. J'ai très mal à la gorge. J'ai vraiment mal à la gorge. Ok, il y a un truc à la porte là. Ah, ça va peut-être m'ouvrir la porte. Ouvre la porte. Non? Non? Bon, t'es une... Ah! C'est quoi le bruit à la porte? Ah! T'es sûrement rien. Si, si, allez, vas-y. Ouvre-moi cette putain de porte là. C'est bizarre. Bon. Donc on sait qu'il y a un truc derrière la porte. Mais alors quoi? Tu peux monter sur le auvent là? Bon. Évidemment non. Évidemment. Là-bas il y a les pics, je peux pas. Parce que tu vois, Ethan, il y a des trucs, c'est comme ça là, donc tu peux pas monter. Est-ce que là je peux monter? Non. Faut que j'arrive à passer de l'autre côté comme ça. Tu vois, tu montes là. Le gros là, le petit, les deux là. Faut que j'arrive à passer de ce côté-là. Ok. Faut que je retourne. Oh, bah allez, fais un effort, putain. Oh. Ah oui, par contre, ça remène la merde. Donc là, je saute là. Je peux pas monter.
T'aimes vivre dangereusement, Minou, hein? Je sais pas où je vais, hein. Je vous avoue. Sais pas si je peux sauter sur les étendoirs, là. Je pense pas. Non, vous voyez, il n'y a pas de... Je sais pas du tout. Si quelqu'un a une idée. Ouais, tu vois, puis il y a plein de choses où tu peux pas monter parce que t'as des barrières et tout. T'as des pics plutôt. Bon, là, on a déjà été. Après, je me dis, est-ce que là, on a trouvé le carnet ou pas? Parce qu'on a trouvé le coffre, il y avait quoi dedans? Il y avait une partition, je crois. Peut-être que c'est pas le carnet en lui-même. On va refouiller ici. On verra bien. Ouais, mais tu dis toujours la même chose, toi. Tu sers à rien. Monsieur, il est où le carnet? Ah oui, c'est vrai, 42 niveaux. Réveille-toi! Donne-moi le carnet! Réveille-toi! Oui, mais descends. Là, il y a un truc. Bon, t'attends ce truc. Attends. Mais allez. Ok. Ah. D'accord. Coucou Nexo. Tout ça pour ça, sérieux, il se fout de ma gueule ce chat. Tu vas bien? Il me disait cool, on a trouvé le carnet et tout. Eh ben non. Oh merde, bon, je vais boire, j'ai soif. Comment tu vas? Ouais, il est sympa, mais je suis un peu bloquée là. J'ai plaisir de te voir, Nexo. Tout le monde aussi, mais Nexo, c'est rare. Putain, il se fout de ma gueule, c'est chaud. Sérieusement. Ouais, il nous manque un carnet, en fait, qu'on ne trouve pas.
peut-être le fait de passer en haut, je sais pas. On peut pas me perdre. Oh, les oreilles. Oui, ben descends. Si t'as une idée, Nexo, on a déjà... on a déjà trois carnets et il nous en manque un. Et il y a un endroit où j'ai été, mais on n'a rien trouvé. Salut Doc, j'ai trouvé les clés. Oui, ben ça on l'a vu tout à l'heure. Okay. J'en ai tombé sur le coffre au pif en plus au hasard. Je sais même plus où on sort dans cette merde. Allez là, la fenêtre. Là, voilà. Que tu vois, on a été en face là-bas, mais on n'a rien trouvé. Ouais, c'est la version complète. Mais j'ai rien trouvé là-bas. Donc je me dis c'est peut-être là-bas, mais je trouve pas du tout. Pour donner à Momo. Pour le moment, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il faut des carnets après. Pour qui faire, je sais pas. Et tu vois, je peux pas passer partout parce que t'as des trucs comme ça là. T'as. Putain, attends. T'as des trucs qui ont des pics là. Non, j'en ai trois. Mais il en manque un, regarde. On a trouvé trois carnets, encore un. Faut fouiller les immeubles abandonnés du secteur. Tu pourrais le voir à partir des toits. Essayer de retrouver un logo. Et le logo, c'est. Attends. Attends. Et le logo, c'est ça, c'est ce truc bleu là-bas, tu vois. Mais là-bas, j'ai rien trouvé. J'ai déjà pris celui de là-bas. Celui de là-bas, là. Là-bas, plutôt, là d'où qu'on vient, c'est déjà pris aussi. Il manquerait là-bas, ou alors celui-là on l'a fait sans que j'ai fait attention, ou alors il reste un logo et que j'ai pas trouvé. Ou je reste centré sur cette zone, mais il faut que j'aille ailleurs peut-être. Je sais pas. Tu l'as fait ce jeu toi, Nexo? J'essaie de me balader, hein, on verra bien. Je cherche toute sorte de partitions. Okay. Coucou mon petit Malo, comment tu vas? Mais non, je râle pas, je cherche et je trouve pas, ça m'énerve. Ah ouais, c'est vrai que j'ai une torche du long. Oui, mais en haut on trouve rien. Tu nous en. Hein? Non, je l'ai pas, mais j'hésite à l'acheter car je le peux. Ouais, 30 euros, ça va. Franchement, ça va. Bon, si ça, c'est la monnaie. Hein. Si je peux racketter un robot, c'est bien.
Peut-être que je donne à... Bonjour. Donc si aujourd'hui le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui. Ouh là là. Pardon. Bon, septembre, ils vont sortir la version boîte, mais je ne sais pas. Ouais, bah je sais pas du tout. Faut que je trouve une PS5. Qu'est-ce que t'as, toi? Le lapin qui me regarde. Ok, mon bébé. Parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent que sur PS5 que je veux. Il y a... comment ça s'appelle? Il va y avoir Resident Evil 4. Il me faut une PS5. Si jamais vous en trouvez, mon anniversaire c'est le 1er septembre. Hein. Je rigole. Je blague évidemment. Évidemment. Ouais. The Last of Us aussi, ouais, exactement, mon petit Malo. On ne vieillit pas comme nos ancêtres, les mots. Les mots? Les mots? Nos ancêtres, les mots? On est enfermés ici pour toujours. Ok, donc montrer l'objet. Ah, mais ils nous font chier, eux. Prenez-le et donnez-moi un indice, putain. Ah, mais ils pètent les bonbons, eux. Aidez-moi, merde. Ok, donc là. Je cherche une personne capable de surveiller l'entrée sud de la zone sécurisée. J'ai l'air de contacter le gardien. Ok, cool. Alors, ici. On n'est pas venu ici, je crois pas. Je sais plus. Oh, je suis tellement montée par plein de choses. Mais non, mais monte! Il est déjà précommandé. Bah ouais, c'est cool. Franchement, j'aimerais vraiment avoir une PS5. Mais ils n'arrivent pas à fournir, ces bandes de cons, là. Bien la peine de sortir une console qu'ils sont incapables de fournir aux gens, quoi. Oh, on est revenu là, putain. Bon, franchement, je sais pas du tout. On va réessayer là-bas, mais franchement, c'est chiant. Ça me saoule. Ça me saoule. Du coup, on est arrivé de là. Est-ce que de là-bas, il y aurait un endroit où on peut monter? La croix, elle reste pas longtemps. Hein. Ok. Quelle idée de foutre un distributeur ici, sérieux. Il parle d'une PS5 Pro alors. Ouais, c'est clair, complètement. Je trouve ça complètement débile. Je suis complètement paumé, hein. Je suis même pas sûr. Ok, on va passer par ici. Mais au moins, on n'est pas passé. J'ai l'impression d'être une gymnaste sur les poutres là. Que tu as vu la série? J'ai commencé à la regarder, mais j'accroche pas plus que ça pour le moment. Pardon.
Vous savez, une gymnase là qui est entre les poutres et tout. Merde. Oh, mais on est encore chez papy, merde. Je chie. Tout ça pour ça, sérieux? Attends, on peut peut-être monter là et... Ah, on n'a pas été si haut tout à l'heure, je crois. Ouh. Putain, je sais même plus à force. Oh, mais si on est déjà venu là, oh, ça m'énerve. Je sais plus. Ça fait peut-être 1 heure. Il y a sûrement un truc à faire avec ça, mais... Ça me ferait chier de gruger la solution. Hein. Est-ce que il y aurait un truc d'aide? Tant pis, hein. Je vais gruger. Mais ça me saoule là. Alors, solustrait carnet. Mais avant d'aller voir la solution, je vais retourner voir en face là-bas. Parce que peut-être qu'on a mal regardé, mais. Là-bas, là. Mais pff, je sais pas. Franchement. Ça m'énerve, ça me saoule. Je vais mettre les trucs abandonnés en hauteur, mais il n'y a pas de symbole dessus. Celui-là, on l'a fait. C'était le tout premier. Putain, puis c'est flou en fait. Celui-là aussi. Bon, est-ce que t'as soif, toi? Tu vas me dire que non? Ah! Il paraît que le troqueur cherche ce genre de choses. C'est quoi le troqueur? C'est qui? C'est où? Il est où? Le troqueur? C'est qui le troqueur d'abord? Le troqueur. Ouais, il est sorti hier, ouais. Et c'est qui le troqueur? Tu peux pas me dire où il est? T'as vu le nombre de robots dans cette piole là? De ma gueule? Bon, comment tu t'appelles toi? Vapora. C'est joli, Vapora, comme nom. Bon, faut qu'on trouve le troqueur, du coup. Troqueur, troqueur, troqueur. Je sais pas, troqueur, ça me fait penser à l'autre en noir, là, qu'on a vu voir les SDF, là, tout à l'heure. Ça pourrait être lui. T'es qui, toi? Mytho. Non, mais descend. Alors, troqueur. Déjà, l'autre là, on va lui donner sa partition. Ouvre la porte, non?
Tu fais partie des jeunes lapins qui s'amusent avec les pots de peinture sur le toit? Non. Arrête avec la peinture, j'en ai marre de nettoyer mon perron. Ok, cool. Bon, faut trouver le trocar. Putain. Chut, ça me saoule. Les fringues de mémé. Rencontrer. Courir. Ah oui, d'accord, je pense. Faut que je fasse rencontrer pour avoir leur nom. Courir. Ok, ouais, ok. Ah, tu veux quelque chose? Ouais. Ah ouais, c'est chiant les mouches. Je peux comprendre, mon petit Nexo. Okay. Frappez à la porte, nous ouvrirons. Ah bah vas-y. Ok. Bonjour. Ah, je peux pas faire rencontrer. Attends. Bon bah écoute, bonjour. Nous sommes programmés pour être esclaves. Cool. C'est sympa. Ça vend du rêve. Rencontrer. Bonjour. Ok, cool. Je reviens, je vais au petit coin. Bah ouais, elles sont fatigantes les mouches, surtout les toutes petites là. Ça saoule, ça saoule. Bon, j'arrive, puis je vais voir si Rebecca dort encore. J'ai trop mal à la gorge, sérieux là. Ouais, regarde. Miaou. Attends, ah non, il n'y a plus de caméra. Mais tout à l'heure, il y avait des caméras un peu partout. Quand tu miaules à la caméra, t'as la caméra qui fait oui de la tête. Enfin, tout à l'heure, hier, on a vu. Oh, descendre là, malheureux. Oh, mes oreilles. Oh. Ok.
Il n'y avait pas un truc aussi. Ah oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Prédateur. Est-ce qu'il y a un truc en... En tout cas, tout le monde va bien? Qu'avez-vous prévu de vos journées? Serait-ce le hacker qu'on cherchait? Attends, on va ouvrir la fenêtre avant parce que s'il faut se carapater en vitesse. Avant de le déclencher, lui, parce que... T'as un chat qui fout le bordel dans ta piole, tu t'en fous, toi. Il est là. Votre musique ne me plaît pas, mon ami. Ok. Cet homme est une merveille, même merveille, merveille scientifique. Oh, il a rallumé la musique. Eh ben non, hein. Mais la tête, sa musique pourrie en plus. Ce qui est ok. Monsieur, c'est non. Bonjour. Oh oui, aide-moi. Oh putain. Ah voilà. Donc on arrive à jouer ensemble. Ouais. Ouais, parce que la dernière fois. Hein. Quel. C'était marrant, hein. Oh, je joue à Fortnite. Mise à jour. Bon, on va sur Fortnite. Mise à jour. Oh, cool. On va sur. Je sais plus où. Oh, mais on n'arrive pas à se rejoindre. Cool. Trois heures avant, on vérifie toutes les mises à jour. Ok. Bon, du coup, Elliot. Oui, je... qu'est-ce que je peux lui donner? La partition? Ok. Il va me dire pareil à tout. Ouais, ok. Bon, ben, salut. On va passer par la fenêtre. Ok, donc là, je suis ici. Oh putain, ma télé va se mettre en veille.
Mais c'est... ouais, il faudra les faire avant les mises à jour parce que putain, quel enfer. Ok. Si je veux remonter, ok, je peux. Ouais, du coup, là, je suis... Je peux pas passer de là. Moi, les mises à jour, il n'y a pas de problème comme ça. Je me... Ouais, moi aussi. Mais une fois, on voulait jouer avec Ethan et Nexo et on s'est dit on va jouer à Fortnite. Sauf que quand on a lancé le jeu, la mise à jour Fortnite s'est lancée. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va sur Fall Guys. Mais en démarrant Fall Guys, évidemment, qu'est-ce qu'on a eu? Une mise à jour Fall Guys aussi. Et après, je sais plus sur quel jeu, c'est Ethan qui arrivait plus à nous rejoindre, je crois. Coucou ma puce, t'as bien dormi? Tu fais un gros dodo, dis donc. Normal, avec la chaleur, elle dort pas la nuit. Ça va? Regarde, maman, elle rejoue avec le petit chat et je suis paumée avec le chat. Non! Je sais pas où faut l'emmener le chat. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Le lapin. Bah oui, le lapin. On a trouvé 3 carnets. Bon, allez. C'est bon, hein, ça me saoule. Je regarde où ils sont parce que là, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. M'en voulez pas, mais ça saoule, quoi. Alors, chapitre 1. Parce que sinon, on va pas avancer, quoi. Ça me saoule. Toutes les partitions. Bon, de toute façon, les partitions, je sais même pas où j'en suis dans les partitions. Est-ce qu'il y a un endroit qui nous le marque? Oh, ça, je sais. Ferme ta bouche. Ok, là. Souvenir. Attends, comment... Changer de catégorie. L1, ok. On peut pas. Alors attendez. Partition 3. Non, c'est pas les partitions que je veux, c'est comment ça s'appelle? Voilà le logo. Logo extérioriste stray. Solus. Parce que c'est chiant, sérieux. Hein. Ça gave, hein. Ouais, elle est repartie dans sa chambre. Elle vient juste de se réveiller. Putain, il n'y a même pas les solutions encore, quoi. C'est pas grave. Pas tant pis, hein, si on est bloqué, on est bloqué. Hein. On va refaire tout le tour, hein, mais ça saoule. Hein. Ah non.
Attendez, je regarde là. Hop, j'ai tapé dans le truc, pardon. Toutes les partitions musique. Bon, je sais pas, je trouve pas. Ça va me saouler. Bon, on va essayer d'aller tout le jour tout en haut parce que bon, là, ça me gave. Pourrais m'aider, toi? Balcon, va. Ah bah, faut que je trouve le troqueur, quoi. Peut-être qu'au final, cette personne nous apportera quelque chose. Mais je sais pas qui c'est. On va essayer de retrouver l'autre là qu'on a vu tout à l'heure en noir là. Tu veux le. T'es qui le vieux que toi? Hector. Hector. Faut qu'on joue tous ensemble avec toi, moi et Animal of Fall Guys. Ouais, quand vous voulez. Quand vous voulez. Mais vous êtes dispo là pour jouer à Fall Guys? Parce que là ça me saoule ce truc là. J'ai envie de changer un peu parce que là. Putain, il m'a fait peur. Il va où comme ça lui? Là c'est chiant franchement, je sais pas où aller hein. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Ça m'agace, ça m'énerve. T'es qui toi? Je retrouve celui en noir de tout à l'heure. Non mais faudra qu'on se cale ça. Ah c'est lui. Lui, il m'a l'air différent des autres. C'est peut-être lui, hein. Je peux pas lui parler à ce con. Mais lui, il m'a l'air différent. Mais j'ai pas d'interaction avec lui. Oui, j'adore. Donc je sais pas au final. Ah bah si tu sais pas marcher droit hein. Écoute. Ça va, tu peux partir, le gardien a dit que ça me demande. Bon bah franchement je sais pas. Et ça m'énerve. Est-ce que je peux monter là? On dirait qu'il y a un petit passage là, mais... Ah, je peux pas monter là. Oh, oh, oh. Ça m'agace. Ah, parce que là, j'aurais pu passer par le tuyau, hein, mais je peux pas monter dessus. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de... Non mais c'est pas grave, on recalera ça. Vous l'entendez dans la voix, dans ma voix que ça me saoule. Hey, mémé! Oh, t'es mignon.
petit visage. Quoi? 770 km de poncho tricoté. Quand même, on fait de la laine. Elle a le moral, mamie. Si tu me trouves du câble électrique, je pourrais te faire un poncho. Du câble électrique? Ok. Parler à mémé. Ah. Ah mais non! Mémé, il faut lui un coup de pied, il est bloqué. Oh putain, je suis bloqué. Je peux rien faire. Ouais, décalin. Fous-lui un coup de pied, mémé. Vas-y, débloque-moi. Je suis bloqué, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah! Si j'ai allumé la lampe, ok. Aide-moi! Putain, je peux rien faire, fais chier! Oh merde! Oh! minutes depuis le dernier point de contrôle? Ça veut dire qu'on perd 16 minutes? Attendez, on va faire. De toute façon, en même temps, on a fait tourner, hein, donc. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Hein. Le même kilométrage que ta voiture. Elle en a un peu plus quand même. Oh là là. Ouais, il faudrait qu'on se fasse ça un soir, ouais. Ok, donc je suis là. En tout cas, mémé, elle a le moral, hein. 770 km de tricot. Ouh. Bon, bah du coup... Attends-toi alors. Oh, c'est peut-être lui, remarque. Il bloque un distributeur. Cool, super. Il bloque un distributeur, donc peut-être qu'il veut la monnaie. Oh, mais... Pff. Mais c'est qui? Ah, l'alcoolo, il y a une doudoune, j'avais même pas vu. T'es qui, toi? Bon, mais descends. Je sais pas qui c'est le croqueur. Et il n'y a aucune indication sur où le trouver, ce con.
Bah t'es qui toi? Ça me désole, j'en ai marre. Il me foutra en l'air, je vous le dis. Ça me saoule. Je comprends rien. Je trouve pas, ça m'énerve. Si quelqu'un peut me chercher le troqueur sur internet, ce serait sympa. Je sais pas qui c'est, j'en ai marre de chercher. De tourner en rond, bordel de merde. Je n'ose pas quitter votre village, mais le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte, ok? Ah, mais arrête de dire toujours les mêmes choses, on s'en fout, putain. Remarque, le troqueur, c'est peut-être le gardien au final, hein? Au final, hein? Le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Peut-être, hein? Faut le retrouver dans ce merdier, par contre. Où c'est qu'il est, ce con? Bloqué, j'en ai marre. Oh mais Lady, je suis sûre que tu serais plus intelligente que ce chat, hein? Bon, on va essayer d'aller voir le gardien. Peut-être que au final ce serait lui, parce qu'ils disent que c'est le seul qui... Oh, il y a un panneau là. Tu peux ouvrir la porte, non? Oh! Nom de Dieu! Pardon! Je suis désolée. J'ai sorti tellement tout seul. Pardon! Excusez-moi. Alors, du coup, le troqueur, ça signifierait celui d'en haut. C'est où il y a le chariot? Alors l'avomatique, ce serait le troisième avec le t-shirt. Non, les fringues à mémé. Ok, donc là-bas où il y a le chariot. Ouh. Putain, je souhaite. Milady. Ah. Oh. Allez. Pouah. Eh mais ça indique le gardien, ça se trouve c'est lui, hein. Je vous le dis, hein. Il va me dire qu'il a pas soif, ce connard. On n'a pas fouillé ici. Hein. Quoi que c'est par là qu'on... Bonjour. Ouais, ok, cool. Ok, t'as que ça à dire. Ok. On va rapporter ça à Mémé, dis donc. Je suis marchand. Ah ben le marchand en troqueur, bah oui. Merci mon petit malo pour le host. Tu me donnes quelque chose, je te... Oh putain, on l'a trouvé. Oh, il y a le chariot, ouais. Magnifique. Ouh. Eh ben dis donc. Ça fait compliqué. C'est un lot de câbles électriques. Oui, c'est pour Mémé, pour qu'elle me fasse un poncho électrifié. Tiens. Tu fous de ma gueule, hein. Ça fait une heure qu'on tourne où tout le monde nous dit que le troqueur
prend ça. On le trouve enfin, ce fameux troqueur, et il ne les prend pas. Je vais le déboulonner. Hein. Je vais le déboulonner. Mais tu prends quoi? Tu prends rien. Je te l'échange contre la lessive Super Spirit. Ah d'accord, j'avais pas vu. Contre la lessive Super Spirit. Ok, donc il va falloir qu'on aille à la laverie. Oh bordel. Ouais, j'arrive, Rebecca. Attendez, j'arrive. Ah oui, mais si elle te met en faux de la cage, c'est qu'elle elle aime bien ma puce. Laisse-la tranquille. Moi, je n'ai pas de Milady. Mais oui, mais Milady, tu la laisses où elle veut. Allez, c'est branché, tes filles. Tu peux y aller. Allez, on avance. On a mis du temps, mais on va avancer. Et j'ai même pas regardé la solution. Enfin, si, j'ai regardé, mais j'ai rien trouvé. Donc, de toute façon. Oh, merde. Putain. Shit. Fais chier, voilà. Maintenant, la politesse revient. Crotte de bique. Alors, monsieur, il veut la lessive. Merci. Ah, mais on a mis du temps, hein, sérieux. Ceci est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Cool. Ça coûte 3 canettes de boissons énergétiques. Ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Montrer l'objet, ok. Ouais, donne. Ok. Ah, il y a une partition en bas. J'ai pas vu. C'est un des premiers modèles de compagnon. À l'époque, aucune personnalité. Eh, vous avez entendu le changement dans ma voix? J'étais au bout de ma vie. Ah, ça y est. On reparti. Il est sur quoi, Nabro, en ce moment? Il y a longtemps que j'ai pas été. C'est comme ce qu'ils avaient marqué d'une certaine. Ok, ce sont des bons robots. Ok. Aïe aïe aïe. Putain, ça me gratte derrière le genou. Pardon. Ok, donc là on va prendre la partition. Une partition. Oh. Ça coûte une canette. Ok, mon pote. Allez, viens. Coucou, Manny, comment tu vas? Ah oui, c'est vrai, il est parti en vacances, c'est cool. Partition 4 sur 8. Ok, il nous en manque 4, alors. Le marché. Maintenant, on sait qui c'est, le troqueur. Hein? Il nous aura fait chier, hein, mon con. Là. Ok, donc, il nous faut aller...
il lui faut la lessive Super Spirit, c'est ça là? Lessive Super Spirit, ok. Allez, au revoir. Alors, le panneau, il est où? Il est là-bas. Alors, la lessive Super Spirit. Lavomatique Super Spirit. Ok, donc c'est le deuxième panneau. Super Spirit. Donc c'est là-bas. Ok. Ça serait là. Allez, là, la laverie, je crois. Faut qu'on rentre dedans. Messieurs! Ouvrez-moi la porte! Il me faut la laverie! Il me faut la lessive, pardon. Monsieur? C'est parti des chenapons, Sam. Mais non, moi, je m'en fous de tes pots de peinture. Ouvre-moi la porte. Monsieur, je veux rentrer. On a mis du temps à arriver jusque-là, hein. Vous allez pas me faire chier maintenant. Oh, zut, hein. Oh, il m'a fait peur. Est-ce que ici, de ce côté, je peux rentrer? Mais non, je suis du même côté. Je suis bête. Moi. Bon, comment on rentre chez le lessivier là? Lavomatique. C'est moi qui suis complètement lessivier. Fatigué, j'en ai marre de tourner en rond dans cette baraque. Enfin, dans cette ville. Oh, ça me tue. Ça me fait dire que des conneries. Bon, la truc est là. Comment je peux rentrer dedans? Oui, ça on sait, on s'en fout. On veut la lessive, nous. Comment je pourrais l'attirer, lui? Comment? Parce que tout est fermé. Après, est-ce que de ce côté, on a quoi de ce côté? On est déjà venu ici? Le ballon ne me dit rien. Ok, il y a une fenêtre ouverte, non, pour... Il n'y a pas un truc à foutre dedans, là, pour le boucher. Oula. À picoter ça. Il faut qu'on retrouve à rentrer ici. Faut qu'on retrouve à rentrer dans la lavomatique. Vous croyez que je peux péter la vitre avec le ballon? Allez, minou! Regardez les conseils. Et bravo à ça pour le level. Ça se trouve, c'est un bot hein, qui est sur mon live depuis ce matin, qui gagne des levels au calme. Ça se trouve, c'est un bot. Hein. En tout cas, si jamais tu n'es pas un... Mais non, mais descends. Ah, attendez. Si jamais tu n'es pas un bot, bienvenue à toi. Si je descends là. Okay, ça change pas grand chose en soi.
peux rentrer dans ce truc? Allez. Des fringues à mémé. Coucou Lucas, comment tu vas? Pas de soucis, Manny. T'inquiète pas. Moi, c'est Malo qui me sort de mon lurk. Monsieur? Bon, attendez, je vais aller donner les partitions à... Il m'a fait peur, lui. Ces types n'ont pas intérêt à faire tomber un autre pot de peinture parce que ça va énerver Cosma. Est-ce qu'à tout hasard, il y aurait un pot de peinture qu'on puisse faire tomber? Ça va énerver l'autre de la laverie, ça le fera sortir. Pensez-vous donc? Mais il y a beaucoup de partitions quand même. Hein. Faut que j'aille donner au bonhomme. Alors si je me rappelle bien, là il y a le gardien et c'est à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Ouais, ici. Yo mon pote! Merde, non, je vais pas dormir. Ok, donc tiens, voilà. Balade du robot solitaire. Ok, cool. Eh, mais je m'en fous. Non, mais sérieux, je suis obligée d'attendre qu'il finisse de jouer tous ces trucs là avant de lui donner. Ça va, Lucas? T'as bien dormi? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Parce que là j'en ai une, deux, trois. Trois à lui donner encore. Ah, elle est pas là, Rebecca, elle est dans sa chambre. Ok. Bon, ça liquidera l'inventaire, hein. On va attendre un peu, on va tous lui donner, hein. Allez, vas-y, joue. J'adore l'icône de save, c'est la tête du petit chat. Ça va, ça va, ça va. Ouais, il faudrait qu'on se retrouve tous comme à l'ancienne. Rappelez-vous les soirées qu'on faisait au début. J'étais jamais toute seule. Vous m'abandonnez souvent maintenant, merde. Mais rappelez-vous, au début, on était toujours au moins 7 ou 8 à vouloir jouer ensemble et tout. Ok, bon, tiens. Lendemain. Après, il en reste une encore. Mais il faudrait qu'on se retrouve tous sur Fortnite ou autre comme à l'ancienne, en fait. Faut que je refasse des vocaux sur Discord comme avant aussi. Te plains pas, je reviens de temps en temps, mais c'est vrai que c'était mieux avant. Mais oui, c'est clair. Bah avant, il n'y avait que Fortnite, donc... Mais sûrement que ça qui lui en intéressait pas mal, donc... voilà. Comme par exemple, je ne cible personne, mais qui attendait pour un skin, en fait, tout le temps. Ouais, mais si, j'aime bien ça.
qui venaient sur le live en lurk juste pour farm les points, pour avoir un skin gratuit, quoi. Je ne cible personne. Mais c'est vrai que l'ambiance d'avant, c'était vraiment, vraiment bien, quoi. Ça va, mis à part que j'ai failli casser la gueule à quelqu'un hier soir. Oh! Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, donc là, c'est la dernière qu'on a. Ton calcul du soir. Oh, ça fait penser à ton plan cul du soir, ça. Ton calcul du soir. Ok, ouais, pourquoi pas. Oh, celle-ci est chouette. Écoute bien. Ouais, on fait que ça. Ouais. Hashtag Nexo. Il ne vient plus d'ailleurs. Ah, mais si, il est là, Nexo. Il commence à revenir un peu de temps en temps. Et c'est cool, ça fait plaisir. C'est plaisir que vous reveniez tous. Il y en a un que vous ne reverrez plus jamais, ça c'est sûr, c'est Bolo. Mais que tous les anciens reviennent doucement, ça fait vraiment plaisir. Que tous les anciens se mêlent aux nouveaux, c'est cool. La famille, elle ne cesse de s'agrandir, c'est bien. T'inquiète pas, je lui pose une question simple et elle m'envoie balader par la... Ah, pardon, excuse-moi, tu m'as demandé quoi? Ah non, c'est pas moi que tu parles. Non, non, c'est que tu m'expliques le truc d'hier. Pardon. Elle m'envoie balader pour la deuxième fois, alors je me suis énervée. Chose comme je le pense, elle l'a mis en veille. Ah ben, c'est ce qu'il faut. C'est entièrement ce qu'il faut. C'est bien beau de... J'ai compris après. C'est bien beau en fait de dire les choses. Mais... Et il t'en manque combien en fait du gland là? On va mettre ça par hasard. Celui des extérieurs. Ok, oui. Il vit dans les étages supérieurs de ce secteur. Tu pourrais sûrement en savoir plus en parlant à Momo. Ok, est-ce qu'il faut retourner voir le Momo? Wesh Momo. Ok, bon, au moins on a vidé notre inventaire, c'est bien. D'accord. Super. Bon, comme ça, au moins, même s'il nous intéresse pas, peut-être que plus tard on aura à leur parler, on aura leur nom. Ils disent aller voir un bidule truc ou chose là. Tu nous as fait tellement peur. Buh. Buh. Ok, donc ça on s'en fout. Comme ça on aura leur nom et. Mais non, mais je m'en fous de toi. Je suis ton pote moi. On n'a pas le droit de lui parler à l'autre? Tu pensais vraiment prendre l'ascenseur? Je n'ai jamais vu ce truc fonctionner. Ah oui! Alors après les 770 km de tricot, nous avons l'autre à 374 ans demain. Ok. Bon anniversaire! T'as de boulot! Ok. Mais lui là, on peut pas le. Attends, si je vais là-dessus. Non, on peut pas le rencontrer, lui. Ok.
Attendez. Vous savez, j'assume tout. J'ai eu envie de péter, j'ai muté, puis j'ai lâché un sacré coup. Vous voyez, je suis une streameuse qui vous respecte. Je ne vous pète jamais à la figure. Je vous rote autant que vous voulez à la gueule, mais je vous pète jamais à la figure. Je vous respecte, vous avez vu? Non, je rigole. Je suis désolée. Oh, je ne suis qu'humaine, hein. Ok, donc fin. Ah, attends, il y avait un truc. Attends, remonte. Il y avait un truc. Ah non, c'est juste traduire. Ok. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir du monde. Andjaya. Andjaya. C'est bizarroïde comme nom. Ok. Mais on peut. Il y en a. On peut pas rencontrer tout le monde. Ouh. Eh d'accord. Tu vas mettre d'une grande aide, toi. Ok. Ouais, bon. On a l'habitude. Et qu'en effet, c'est devenu banal. C'est clair, mais tellement. C'est la routine, hein. Faut installer une petite routine. Tout le monde se sent bien. Soyez libres de péter et rôter chez vous, les enfants. Et pourquoi il est là, ce ballon? Vous croyez qu'il faut en faire quelque chose? Oh! Faut le mettre dedans! Attendez. Attendez. Peut-être que si on le met dedans, ça rapporte un truc, eh? Allez, viens. Ou pas, hein. Il va pas monter les escaliers. Non. Monte. Ah! Oh, ben il est où? Qui m'a volé mon ballon? Bah, allez, hein. Bonjour monsieur, je veux mon ballon s'il vous plaît. Alors, là on peut grimper. Ok. Est-ce qu'on aurait un truc? Il fait quelque chose si on lui fait tomber des trucs sur le coin de la figure? Non? Mais c'est quoi l'intérêt de remonter là en fait? Tomber des trucs. Ok, et donc tu lui fais croire que c'est la lessive spirit bidule là, parce que ça ressemble à des flacons de lessive, hein. Donc, sur un malentendu ça peut tout marcher. Oui, qu'ils remettent le ballon là. Est-ce que. Non, on peut pas les prendre. Qu'avez-vous mangé ce tantôt? Attendez, je regarde un truc. Putain, j'ai mal à la gorge, je suis chier. Oh merde, pardon.
En tout cas, j'espère que vous appréciez ce jeu. Je mange des pâtes et du jambon. Et toi, tu vas manger quoi? Eh ben, je sais pas. Mais là, je suis en train de regarder si... si mon compte en banque me permettrait une petite commande. Parce que bon, le compte en banque, il fait souvent la gueule. On va pas se mentir. C'est la vie d'adulte, ça, les enfants. Les comptes en banque font toujours la tête. Ok. Attendez, j'arrive. Non, tu la laisses. Je pense que ça sera steak haché purée. Hein? Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Laisse-la, Rebecca, s'il te plaît. Non, arrête de la pousser. C'est le lapin. Oui, mais si elle se met en fond de la cage, c'est qu'elle a envie. Tu la laisses tranquille. Toi, t'aimerais que quelqu'un vienne dans ta chambre et tu te dis, il te pousse. Ah, j'ai pas envie que tu sois là. Ah, non, mais toi là. T'aimerais pas ça. Alors laisse-la tranquille. Allez, s'il te plaît, respecte-la un peu là. Bon, la laverie là. Regarde, il faut que le chat il achète de la lessive. Les fringues de mémé, programmation, Elliot. Peut-être que lui, il peut m'aider, hein. Arrête de t'agripper à cette cage. Ah, mais tu passais pas là, toi, tout à l'heure. Ah ouais, ouvre la laverie, vas-y. Ouvre la laverie. Ouvre-la. Mais tu sers à rien. Oh. Après, je me dis, si je continue de faire ça... Merde, de nettoyer mon perron. Mais je pense qu'il faut que je fasse tomber un pot de peinture là. Comme ça, il sera obligé d'aller le nettoyer et la porte sera ouverte. Vas-y. Hey, coucou Imperium, comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Et plaisir de te voir.
N'hésitez pas à lui lâcher un follow, je l'ai découvert hier sur Alien et trop gentil, le monsieur. Monsieur. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu comment ça s'appelle? Ta rediffusion Alien, tu l'as enlevée? Elle y est pas? Alors, du coup. Donc là, il faut que j'arrive à viser ici, je pense. Un pot de peinture. Ok, là, je peux pas passer. Ok, donc on va monter là. Tu vas bien? Il y a peut-être un pot de peinture que je peux avoir et bam! Donc là, on est juste au-dessous, hein. Si, si, si. Je te déconcentre. Ah, attends. Peut-être qu'en me frottant à ses pieds. Ah, mais non. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Mais putain, mais frotte-toi lui. Mais non, mais. Mais si, justement, c'est ce que je veux faire. Fais tomber. Fais tomber. On s'en fout. Putain, fais tomber le pot. Ah, ah yes. Miaou, miaou, miaou. Putain, laisse la porte ouverte. Faut que je rentre dedans, moi. Oh, bordel. Ah, franchement, monsieur, hein. C'est honteux. Allez, vite. Vas-y, vite. Vite, vite, vite. Descends. Non, mais descends, dépêche-toi. Fais un effort, là. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Bonjour. Oh, la musique. Attends, est-ce qu'il y a un endroit où on peut ouvrir la fenêtre? Le piquet a laissé. Pardon. Ça va très bien aussi. Et non, je ne l'ai pas enlevé. Oui, mais je sais pas. Ça va, t'as passé un bon début de journée? Ah bah c'est cool si t'as fini ta journée, c'est vraiment bien. Tiens, regarde, si ça t'intéresse, n'hésite pas à checker mon YouTube, tu verras. Je dois avoir 96 vidéos d'Alien. Au moins. Ça te donnera une idée de... Je l'ai fait en normal, expert et hardcore. Non, c'est cauchemar que ça s'appelle. Je sais plus. Mais c'était chiant le niveau le plus haut. Oh là là, quel enfer. Tu peux faire que des soins et tout. C'est horrible. Alors, du coup, on va tout fouiller. Parce que suffit qu'il referme la porte, lui. Ok. Ça fait plaisir de te revoir. Vraiment, c'est cool. Toc toc toc. Et c'est juste une balle, ça. Ok. Oh, bah, elle est là, machin. Non. Non, on peut pas monter là. Ok, bah, c'est tout. Hein. On peut rien faire. On est. Pardon, on peut rien faire. Mais bon, messieurs, mais laissez la porte ouverte, hein. Il est où l'autre? Là-bas. Ouais, là-bas. Je vais aller voir ta chaîne, monsieur abonné, là. Ah, c'est cool.
Ah non, merde, c'est pas là. Oh putain. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Oh putain, mon petit père là-dedans. Ok, donc c'est là normalement. Ouais. Allez, donne-moi le câble. C'est pour mémé, tu comprends? Attends, je fais le ménage. Pourquoi il est violet l'autre? Je veux le câble, monsieur. Je l'ai ta spirit. Ta lessive. C'est les tout nerveux que tu fais ou tu es un chat dans la gorge? Je crois que c'est un peu des deux, hein. Merci monsieur. On va pouvoir lui donner ça à mémé. Yes. On avance. On avance. Moi, ça m'arrive souvent d'être tout nerveux. Ouais. Bah ouais. Bah. Ok. Allez, elle est où la bioc? Mémé. Et d'ailleurs, je crois que le... J'ai pas réactivé... Attendez. J'ai pas réactivé mes 6 pour vous ping sur Discord quand la vidéo est mise sur YouYou. Je vais le refaire de suite. En tout cas, j'aime... Bon, on s'en fout. Hop. Putain, mais allez, mes 6, là. Oh. Ah, il bug le bot, c'est horrible. C'est chiant. Et tu relances quand, toi, Impériap? J'ai relancé Alien déjà le jour. En plus, déjà. Elle est où, mémé? Le panneau est là-bas. Je commence à me repérer vaguement, mais... Tout doucement, hein. Alors, mémé, elle est où? Les fringues de mémé, donc c'est... Ok, la vieille est là-bas. Ok. Salut. Allez, la mémé. On se rappelle, mémé, elle nous a dit tout à l'heure, elle avait fait 777. Oui, tiens, mamie. Ok, que veux-tu que ça nous foute après, hein? Poncho, câble électrique, remarque, ça peut nous servir à faire quelque chose. Demain après-midi, je vais faire un live, mais sinon, s'il y a une personne avec moi, je retire un autre jeu, mais normalement, demain, j'en... Cool. Mais si jamais t'as envie qu'on joue, dis-le pas, y'a pas de soucis. Et voilà pour toi, mon petit, ça devrait t'aller parfaitement, oh, merci. C'est un de mes plus beaux travaux, cool. Ok. Que veux-tu que je foute de ton poncho? En fait. Mais je pense que ça peut nous servir à... Vu que c'est un truc électrifié. Montrer. Ça a l'air très chaud, parfait pour un robot frileux. Ok, donc je peux donner ça par exemple à un robot SDF ou un truc comme ça ou... Ok. Oh là, s'il faut donner un truc à tout le monde, oh putain, on n'a pas fini. Là, on peut rien faire. À mon avis, c'est le même coup que ça. Je pense que le truc, là, il faut qu'on le donne à quelqu'un. J'adore le faire tomber, lui. Ah! 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 Pardon, monsieur! Eh, vous croyez qu'il faut le faire tomber pour choper un truc?
Vous voyez qu'il faut qu'il tombe et qu'on récupère un truc sur lui? Vas-y, casse-toi la gueule. Mémé m'a fabriqué des... Ok, tiens, cadeau. Elle a beaucoup de talent, tu sais. Ouais, super. Et alors? Mais prends-le, non? Non, t'en veux pas? Ok, bon, bon. Que je joue à plusieurs jeux, ça m'arrive d'aller sur Valorant, Rocket League, Fall Guys, et même prennent... Après, tout dépend si je suis seule. Eh ben, tu sais quoi? Si tu veux, n'hésite pas. Moi, j'ai Rocket League, j'ai R6, j'ai envie de recommencer aussi un petit peu. Bon, je suis nulle, mais j'ai Fortnite, j'ai des BD, j'ai... Donc si jamais un jour on se trouve un jeu commun, n'hésite pas. Avec grand, grand plaisir. Et si évidemment tu as envie. Je vais pas m'imposer, tu veux pas de moi. Qu'est-ce qu'il y a avec ma puce? Tu veux la prendre un petit peu, ta lapine? Je te la laisse 2 minutes, hein. Après, je vais la chercher. Hein. Parce qu'elle a le droit de se reposer tranquillement. Hein. Tiens-la bien. Attends, je crois que... Non, attends, donne. Je crois qu'elle a du caca au fait. Donne. Donne-la-moi, donne-la-moi. Donne-la-moi, donne-la-moi. Attendez. Oula. C'est toi qui l'as mouillé là? Regarde. Tu vas la laisser tranquille, regarde. Ça commence à être rouge là. Je pense qu'elle a des rougeurs qui commencent à arriver. Hey, tu ne cries pas. Je te présente ma fille, Rebecca, 15 ans. Regarde. Elle commence à être rouge, donc je pense qu'elle commence à avoir des rougeurs là. Peut-être pour ça qu'elle... Hein? Donc on va la laisser tranquille. Et on vérifiera ça. Et si ça empire, on emmènera au veto, d'accord? Ah ben c'est ma pute. On va surveiller ça, d'accord? Ouais, on va surveiller ça. Parce que si ça redevient rouge comme la dernière fois, hein. Bon moment, tu lui fous la paix, hein. Désolée. Mais parce que j'ai une voix très douce, mais je vais avoir 41 ans le 1er septembre. Et je suis maman d'une grande dudu, j'ai de 15 ans, qui en aura 16 en septembre aussi. Ouais, des BD, j'adore. Bon, lui, il veut pas mon truc. Ben, va te faire foutre. On va donner à lui. Tu veux mon truc? Mais pourquoi personne veut mon truc? Oh, il y a un autre panneau là-dedans. Procure l'aromatique, le fringue à mémé. Ah, ça mène où ça? Oh, la vieille. Ouais. 41 ans, la vieille. Je sais même pas où ça mène ça. Bonjour. Qui veut le pull à mémé? Je vois même pas leur parler à ces deux cons. Ah, si. Pardon. Je fous de ma gueule. C'est pas possible. Est-ce qu'elle a... Eh, on dirait un truc de bateau. Hein. Peut-être donner au gardien? Et vous nous faites chier avec le... On va donner au gardien, on va voir. On va essayer.
Aïe. Ça fait combien de temps là qu'on l'a eu? Je sais même pas. On va pas tarder à 4, hein, je crois. Et c'est pas la plus vieille. Oui, c'est vrai d'abord en plus. C'est Manu le plus vieux. Si je me rappelle bien, je crois que c'est 53. Oh là! Oh là, j'ai eu un bug. Je me disais, je vois le 8h41, je me dis, ça fait pas 8h que je live quand même. Je pensais à me dire, oh, j'aurai 20 ans le mois prochain. Ah, ben c'est cool ça. Mais... Oui, mais je m'en branle qu'elle a du talent. Moi, qui c'est qui veut m'aider là? Est-ce qu'à tout hasard, lui? Non, je pense pas. Yo, mon pote! Est-ce que tu veux ça, Morue? Non, je pense qu'il veut que des partitions. Là. Pas le plus jeune, du coup j'ai 24. Ouais, ben il y a tous les âges, c'est ça qui est bien. Je peux être la mère de du quart de la commune, en fait. C'est bien. Bon, on va essayer de donner ça à l'autre là-bas qui fouille les ordures. Je sais pas. Est-ce que vous auriez une personne à raid? Dites-moi dans les amis. Bon, lui on va pas lui redonner. À moins qu'il prend le truc contre quelque chose, je sais pas. Mais je n'ai rien à échanger pour l'instant. Eh ben t'es nul. Toi. Ok. Bon ben tant pis hein. Est-ce que vous auriez quelqu'un à raid les amis? Qu'on finit sur un petit raid comme souvent en décembre. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir déjà comme jeu? Si jamais vous, il n'y a personne que putain, j'adore trop le vert du truc là. C'est tellement beau. Et on va se coucher à côté de notre pote. Non, c'est pas là. Ah, c'est pas là. Miaou. Bouf. Voilà. Alors, allons voir Twitch. Avez-vous quelqu'un à raid ou avez-vous envie d'un jeu en particulier à voir? Oh, attendez. Personne? Vous voulez rester sur ce jeu ou vous voulez aller de l'horreur? Attendez, alors, si on reste sur ce jeu, qu'est-ce qui vous intéresserait? Putain, ça me gratte le haut du dos, ça m'énerve. Je sais pas ce que j'ai. La saoule. Déjà, bien évidemment, j'irai checker avant si la personne elle parle, évidemment. Parce qu'une fois, j'ai fait un raid chez une personne qui ne parlait pas.
On s'est bien fait chier pendant 5 minutes, hein. Et la personne, elle s'est arrêtée, donc on s'est dit, c'est pas grave, ça se trouve, elle écrit, elle peut pas parler. Donc on l'a vu jouer et tout. Et à un moment, on voit la personne qui s'arrête, on dit, bon, elle est en train de lire dans le chat, elle va nous écrire, tout ça. Mais non, elle repart. On est resté peut-être 5-10 minutes sans aucune réponse. Donc du coup, je tombe pas toujours bien, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Est-ce qu'il y a un jeu que vous avez envie de voir? Attendez. Si vous voulez rester sur celui-là, on reste sur celui-là. Bon appétit Lucas, des bisous. Merci à toi d'être passé. C'est comme tu repasses quand tu veux et on joue quand tu veux. Bon, on va rester sur... sur ce jeu-là. Alors, je me mets 2 secondes pour écouter la personne, voir si elle parle et si... Parce qu'il y a un truc que je déteste aussi, c'est d'aller voir une personne que je vois qu'elle a que un viewer, enfin qui a pas beaucoup de viewers par exemple, mais qui est tout seul, mais en fait qui fait un jeu qu'on l'entend qui parle derrière. Parce que ça peut être sympa, mais ça peut être aussi très nocif en fait. Ça peut être du bordel plus qu'autre chose, donc j'essaie de faire attention à ça quand je vous raid aussi. Ouh, attendez. Ben oui, mais non, je vais pas, non. Donc, je mute 2 secondes, je regarde la personne et j'arrive. Merci Lucas, ça fait plaisir. Alors j'ai regardé 2 personnes, il y en a une, elle ne parle pas. Et l'autre, je sais plus. Je sais plus du tout. Allez, on va partir sur du DBD. DBD, il y a toujours du monde, sympa et tout. Et ça peut nous permettre de trouver des maîtres pour jouer et tout. Eh, hey, vous voulez voir Fall Guys? Parce que c'est vrai que Fall Guys, c'est sympa. Fall Guys ou DBD? Je voulais choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y aura toujours du monde sur les deux. Qu'est-ce qui vous tente? Fall Guys, va pour ça. Alors, Fall Guys. Fall Guys. Ok. Alors, ok, j'arrive.
J'ai trouvé quelqu'un, j'attends de voir s'il parle. Les gens ne parlent pas, c'est pas drôle. Puis il y avait la musique à fond, donc c'est pas drôle. Cette fois-là, ouais, puis même je pense que j'ai raté un coup. Oh, c'est un Comment il Québécois. s'appelle? Oh, on va raid lui. J'adore l'accent québécois. Je ne le connais pas, mais j'adore son accent déjà. Alors. Par contre, je rame, c'est chiant. Rang 4, ouais. Je sais même plus qui est en premier ou pas. Je sais plus du tout. Je crois que c'est Malo en premier. Nexo doit être deuxième ou troisième. Azu ne venant plus, il doit avoir baissé. Merde, je suis en train de taper rank, moi, je suis conne. Au lieu de raid. Je suis complètement conne. Voilà, je vous envoie chez cette personne que je ne connais pas. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers. Ah ben non, n'y allez pas alors. Non, non. Non. Je déteste ça. Déjà, c'est niet. Non. Je déteste en fait les chats où c'est réservé aux followers. Parce que je ne veux pas être forcée de follow pour parler à quelqu'un. C'est Azul le deuxième? Ok. J'ai annulé le raid. Hein. Oui? Il y a un truc qui fait du bruit dans ta chambre? Oui. Attends, je vais venir voir. Tu crois que ça peut être la prise électrique? Oui. Ah, attendez, j'arrive. Coucou Astra! Même nous, on cherche quelqu'un à raid. Et j'étais à dire, je déteste en fait aller sur des chaînes où vous êtes obligé de follow la personne pour parler. Ça pousse les gens à follow, même si au final. En fait, ça pousse à follow et après, tu t'étonnes pas si tu as des défollows derrière. C'est dommage. C'est dommage. Les gens doivent follow si vraiment ils en ont envie et ils ont envie de te suivre. Parce qu'ils sont obligés pour parler, quoi. C'est complètement con. Donc voilà, je sais. On va arrêter personne, du coup. Ça va, Astra? Ouais, parce que là, j'avais lancé un raid. J'allais lancer un raid sur une personne que je ne connais pas. Mais là, ça m'a mis. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers ou aux abonnés. Donc j'ai annulé. Hors de question. Je veux pas vous obliger. Je ne veux pas vous envoyer chez quelqu'un chez qui vous êtes obligé de follow pour parler. Ça sert à rien. Ça pousse entre guillemets à la consommation. C'est voilà. Donc du coup, on va de raid personne. Oui, ça va très très bien. Je te remercie. On a galéré pour le jeu là, mais on a bien avancé, donc ça va.
Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ce soir, on ne revient pas. Hein? Bah attends, je dis au revoir à mes amis, puis je m'occupe de toi, d'accord? Oui. Est-ce que tu veux dire au revoir à mes amis? Non. Ok, bon. Voilà, bon. En tout cas, merci à tous d'être passés. Merci pour les cheers. Merci pour tout. Votre présence et tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain ou ce soir. On verra. J'ai mis 3 heures. Ah, super, c'est cool. Et ben demain, on continuera et voilà. Bisous à vous. Bon après-midi. Portez-vous bien. Tu leur dis au revoir? Ok, bon. Ouais, il faudrait qu'on s'organise un truc, ouais. Bisous tout le monde. À très vite.